Salut les gars, c'est MK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA. Dans cette nouvelle vidéo les potes, on va parler des bonus et promos pour GTA Online de cette semaine. Et cette semaine bonus dure jusqu'au mercredi prochain, le 2 février 2022. On a deux voitures gratuites à gagner cette semaine dans GTA Online. Commençons par celle du casino. Cette semaine c'est la ProGen T20 les gars. C'est la meilleure super sportive de l'époque PS3 si vous vous rappelez. Et franchement elle reste aussi belle et aussi compétitive même en 2022. En plus de ça, elle coûte 2 200 000 $. Ce qu'il faut faire cette semaine pour gagner cette ProGen T20, les gars, c'est qu'il faut aller se rendre au casino et il faut aller sur la roue et tourner la roue, tout simplement tomber sur la case voiture, les potes. Il y a sur le salon Auto LS une deuxième voiture gratuite à gagner cette semaine, c'est la Prévion, les gars. La Prévion, donc, vous pouvez la gagner en restant top 3, 3 jours d'affilée sur les courses de rue. Elle coûte aussi 1 490 000 $. Donc franchement, la gagner gratuitement, ça en vaut la peine. Il y a une nouvelle voiture donc du DLC cette semaine, c'est la Grandeur XL, les gars, achetable sur Santander San Andreas pour 1 380 000 $, ce qui est pas mal. Donc c'est une voiture qui, voilà quoi, elle m'a l'air assez fun pour RP, quoi. Vous pouvez la transformer en véhicule de nous ou en véhicule de keuf. Franchement, ça va, elle en vaut, je trouve la peine. Moi, je pense que je vais me l'acheter. Je vais vous la présenter de toute façon sur un futur live. Il y a sur Legendary Motorsport, les gars, trois promos cette semaine. Il y a la Jubilee à 866 000 $. Donc, il y a la Strider aussi pour 351 000 $ prix achat direct et 335 000 $ pour le prix spécial. Et il y a aussi pour finir la Pikachu Drag à 585 000 $. Cette moto, les gars, c'est la moto la plus rapide dans le jeu. Pour un demi-million, elle en vaut grave la peine, les gars. Il y a aussi sur Santander San Andreas la Vortex pour 78 000 $. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, la moto du braquage de Pacific Standard, non? C'est pas celle qui a le petit boost là, avec lequel on fait la phase finale du braquage. Bref, dites-moi en commentaire si c'est le cas. Sur Warstock, pas de promo cette semaine, malheureusement, ni sur Guerre d'Arène et Bénice. Par contre, on a une propriété, les gars, et tenez-vous, franchement, préparez-vous, les gars, parce qu'il y a la QG des clubs de motards qui est à moins 40% plus les rénovations, les gars. Donc, les QG des clubs de motards, ça veut dire qu'on aura éventuellement des bonus pour les ventes des clubs de motards. On va voir ça un peu plus tard, les gars. D'abord, commençons par les bonus qui sont déjà confirmés. Il y a certaines courses, pardon, qui sont... Donc, certaines courses terrestres qui sont triplées en dollars et en RP. Donc, vous allez sur activité créée par Rockstar. Course normale, pas les courses casse-cou, les courses normales. Vous allez en trouver certaines qui sont triplées, les gars. Et puis, il y a une mode rivalité bunker qui s'appelle Tapa 4 balles. Qui sont aussi triplés en dollars et en RP. En ce qui concerne les bonus des business, les gars, je suis quasi sûr qu'il y aura des... business, allez, on va dire des lieux de production qui seront doublés cette semaine. Il y aura aussi probablement des promos sur les lieux de production en question et éventuellement aussi sur l'achat des matières premières. Mais pour cela, les gars, je dois me connecter sur ma console et je n'y ai pas accès en ce moment parce que je suis au travail. Mais de toute façon, si c'est confirmé par TS2, vous allez voir apparaître ça sur la case commentaire d'ici une petite demi-heure, les potes. Entre temps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les potes. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez kiffé. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. Et moi, les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GTA.